Comment tu t'appelles? Thomas. Qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? Des fleurs. Et dans l'autre, c'est quoi? C'est dangereux, un couteau comme ça, à ton âge. Tu cours, tu tombes et tu te fais mal après. Tu me le donnes? C'est pour qui toutes ces fleurs? Pour tes parents? Des parents, j'en ai pas. Ils sont là-haut, au cimetière. Ils sont tués en voiture il y a longtemps. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je suis avec un copain dans le bois, mais il vaut mieux pas que tu tombes dessus. J'ai besoin d'argent. J'en ai pas de l'argent, moi. Tu vas te débrouiller pour en trouver. De quoi me prendre un billet de train? Et surtout, t'en parles à personne, sinon tu le paieras très cher. J'aime pas rester dans le noir. On peut pas sortir pour parler. Non, 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 essaie pas de te défiler, hein? À quelle heure je vous le porte, l'argent? Ce soir. Je t'attendrai. Bon, ici? D'accord. Non, non, attends. Pas ici, c'est pas prudent. Là-haut, à ton cimetière. Non, non, pas à mon cimetière. Non, je pourrais pas. Et ben en bas, alors, qu'est-ce qu'il y a en bas? En bas, il y a un sentier. Et il y a la Garonne. Mais il n'y a jamais personne. Bon. Eh bien, ce soir, au bord de la Garonne. Et... fais très attention, surtout, essaye pas de me tromper, hein. Sinon, tôt ou tard, je te retrouve. Et si je viens, vous me ferez rien? Non, je te dirai merci et après tu seras libre, ok? Allez, à tout à l'heure. J'ai peur, Pépé, j'ai très peur. Quel sien? Parle plus fort, nom de Dieu. T'as fini de travailler aujourd'hui? C'est samedi, je vais à la pêche. Je vais porter ça, mémé. Tu sais, Pépé, il m'est arrivé quelque chose, mais je peux pas te le dire. Je vais pas commencer avec tes histoires. Tu m'as déjà assez couillonné comme ça avec tes bobards. Maintenant, je marche plus. C'est fini. Pépé, tu veux pas aller donner ça à mémé? C'est elle qui m'a dit de les ramasser et il faut que je fasse quelque chose maintenant. Non, 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 va les porter toi-même. Moi, je porte rien à personne. Oui, qu'est-ce que c'est? Mais pas là-dessus, voyons, fais attention. Surtout qu'il est vendu. Mais non, mais en plus, c'est pas facile d'être sportif et de bien manger. Je crache de soif. Fais-moi un peu. Tu es en âge, hein? Oui. Tu vas aller changer avant de boire et tu n'as rien à faire dans la cuisine. Allez, tu vas te déshabiller et après, tu vas essayer ça pour demain. Pour demain? Le costume que ma maman m'a acheté? C'est justement parce que je l'ai vu, j'ai préféré te prendre ça. J'en ai profité pour t'acheter quelques affaires d'été. J'en ai marre de te voir attifer comme un Romanichel. Donne. Allez, d'abord, on va prendre un bain. Hein. Enlève-moi ça. Un bon bain, on coupera la soie. Tout ça travaillera. C'est complètement dans les nuages aujourd'hui. Allez, hop. Du sable. Quand tu seras propre, tu viendras voir sur la terrasse, c'est une surprise. Je viens de voir le torse de Thomas. Quelle misère, il est maigre comme un clou. Ça veut rien dire. Quand j'avais son âge, j'étais un vrai fil de fer. Non, par contre, ce qui m'inquiète, c'est ses notes. Vous avez vu son dernier trimestre? C'est pire que tout. C'est pas grave, il va redoubler. Ça va bien que ça lui arrive une fois. Quand je m'occupais de lui, il était premier partout. C'est quand même un sacré changement. Sa mère qui veut pas comprendre. Vous savez très bien, Maurice.
Sa mère ne vous le rendra pas. Depuis qu'elle s'occupe de cette boîte minable, c'est pire que tout. On n'a aucune prise sur elle. Je crois qu'elle n'est pas normale. Excusez-moi de vous dire ça, mais je crois que... Pauvre Tim, j'ai pas peur de toi, je vais te crever, moi, tu vas voir. C'est très chic. Ça parfait pour la communion. Ça va? Ouais, ça va. Ça me gratte, mais je vais crever de chaud là-dedans. Ne commence pas, tu le mettras demain, un point, c'est tout. Hein? Fais chier. Qu'est-ce que tu as dit? Moi, j'ai rien dit. De toute façon, j'ai rien à te dire. Je peux aller me changer, maman m'attend. Oh, mais reste un peu avec ton père, tu ne le vois jamais. Hein? Il te ramènera en voiture. Je peux pas, j'ai mon vélo. Eh bien, on le mettra dans le coffre. Allez, viens, t'assois. T'es sûr ou quoi? Je te dis de venir t'asseoir. Si tu veux que je reste avec toi, t'as qu'à me donner de l'argent. De l'argent? Mais pourquoi faire de l'argent? Tu n'as jamais manqué de rien. Qu'est-ce qui te prend, Thomas? Si tu prends, qui veut faire son intéressant? Je m'en fous de faire l'intéressant. Je m'en fous de la communion, je m'en fous des costumes, je m'en fous des cadeaux, je m'en fous de tout. Je veux de l'argent. Alors tu apprendras que l'argent, ça ne se donne pas comme ça. Tu en auras quand tu l'auras mérité. Ou quand tu l'auras gagné toi-même. Je trouve ça con ce que tu dis. Comme toujours d'ailleurs. Je te trouve con, tu sais. Oh non, Thomas! 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 Tu veux ouvrir, Thomas? Ouvre-moi! Thomas, voyons. Tu peux ouvrir, Thomas? Thomas. Mon Dieu, il m'avait fait des émotions. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui, hein? Il avait l'air très en colère. Fais voir ta joue. Il m'a fait mal, salaud. Puis il est parti, ça lui passera. Espérons que demain, tout ça sera oublié. Parce que demain, pour toi, c'est un grand jour. Non, non, tu la gardes. Si tu fais un vœu pendant la communion, je suis sûre que le Seigneur t'entendra. Mais c'est vrai, je t'assure. Un jour pareil, il ne peut rien te refuser. Tu peux lui demander ce que tu veux. C'est aujourd'hui que je voudrais lui demander quelque chose. Nous avons beaucoup d'enfants au collège Saint-Théodore, plus de 300. Et aucun ne nous pose autant de problèmes que Thomas. Avec ou sans mousse, mon père? Laissez. Je suis très inquiet pour Thomas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il ment, il invente, il brode. On ne sait jamais trop où finit la vérité ou comment ses histoires. Camarades, il leur fait peur, il a même eu des plaintes. Vous vous rendez compte, Mme Ravenel, des plaintes. J'ai pas le temps de m'occuper de lui comme il faudrait, c'est de ma faute. Ça le perturbe un peu, mais il faudrait l'aider au lieu de le juger. Vous croyez pas? C'est mon métier de l'aider, Mme Ravenel. Je suis éducateur. Je sais qu'il est un âge difficile, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Encore une canette, mon père? Non, non, non. Non, ça serait trop. Vous avez peut-être remarqué que les enfants sont souvent cruels quand ils sont en groupe. Ça, c'est pas grave. C'est grave. La violence insidieuse de ce côté-là. Parce que l'emprise est hypocrite. Parce qu'ils pourrissent les âmes. Là, c'est notre devoir d'intervenir. C'est pourquoi nous avons envisagé le renvoi de Thomas.
C'est peut-être un peu excessif, non? Excessif, excessif. C'est lui qui est excessif, madame Ravenel. Je vous accompagne. Vous pourriez arranger quelque chose, non? Je ne suis pas sûr. Hier, j'ai parlé à Thomas. Il m'a affirmé que vous n'étiez pas sa vraie mère. Il disait qu'il avait été passé chez vous le jour de sa naissance et qu'un jour, sa vraie mère viendrait le chercher. C'est parfaitement ridicule. C'est absurde. C'est ce que je craignais. Il fallait que j'en aie le cœur net, madame Ravenel. Je suis vraiment désolé. Je vous en prie. Au revoir, Nara. Tu pleures. Mais je pleure pas. Je dois vous dire, c'est la moto. Tiens. Je t'ai pris ça. Je préfère te les rendre. Tu mens déjà comme un arracheur de dents. Raconte des histoires à dormir debout et maintenant tu m'as volé ces bouquets. Laisse-moi t'expliquer. J'ai fait un pari et je l'ai perdu. Tu me fatigues avec tes salades. Allez, fais ce que tu veux, va t'amuser, mais laisse-moi seule. Hein. T'exagères de me parler comme ça. T'es vraiment injuste. Sois gentil, fiche-moi la paix. Je voudrais te rendre heureuse, mais je t'attire que des ennuis. Pardonne-moi. Si j'existais pas, tu te ferais moins chier. Tu pourrais faire ce que tu veux. Je te gâche la vie. Arrête de dire des bêtises. Ce collège, c'est une idée de ton père et j'aurais dû être plus ferme. Une boîte pareille, moi, à ton âge, ça m'aurait tué. La prochaine, tu iras au lycée. Comme ça, tu seras externe et tu perdras ton accent, parce que depuis 2 ans... T'es plus fort, mon accent? Mais si, il me plaît ton accent. Et ton père, il pense que ça peut te venir plus tard. Tu sais, s'il m'arrivait quelque chose, il n'y a que toi que je regretterais. Écoute, tu peux raconter tous les mensonges que tu veux, ça m'est égal, mais je t'interdis de penser qu'il va t'arriver quelque chose, tu m'entends? Il ne peut rien t'arriver, rien! Calme-toi, je disais ça comme ça. Mais non, je ne me calmerai pas! Je ne t'ai jamais fait de menace, tu le sais, hein. Mais si tu rumines des idées pareilles, ce sera fini entre nous, je te rendrai à ton père et tu ne me verras plus! T'en fais pas, je rumine rien du tout. Fais-moi un sourire. Mieux que ça. Où tu vas? Je vais faire un tour. Épée! Espèce de couillon, tu vas me foutre à l'eau ou quoi? J'ai besoin d'argent. Il faut que tu m'en donnes. Quoi? De l'argent! De l'argent? J'en ai pas, moi, de l'argent. Allez, faut mal qu'on ne reste pas là.
Qu'est-ce que tu as? Tiens, fais ce que tu veux avec ça et viens plus pernicher pour des conneries. Merci, poupée. Merci. Tu me fais traverser? T'as le pont à côté, je vais pas foutre mon moteur en marche pour faire peur aux poissons. Ton moteur en marche, j'entends bien voir ça. Il est complètement pété, ton rafio, il démarrera jamais. Je vais te montrer si t'es foutu, mon bateau. Espèce de fou d'ici! Comment tu l'as eu ce blé? T'en as parlé à quelqu'un? Non, monsieur, je vous jure. Si tu jures, c'est que tu mens. Qui t'a filé ce billet? Tu lui fous la paix maintenant? Allez, on se tire. Ok, on se tire. Mais lui, qu'est-ce qu'on en fait? T'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu veux en faire? C'est toi qui es malade, faut être taré pour demander du blé à un môme. Hier, c'était le coup de la bagnole, aujourd'hui, c'est ça, t'arrêtes pas de nous foutre dans la merde! Si tu veux qu'on nous retrouve, c'est ce que tu veux? Pourquoi partir comme ça? Je peux pas rester! Il faut que je parte. Ma mère m'attend. Ta mère? Je croyais qu'elle était morte, ta mère. Tu vois ce que tu t'es fait avoir? Je vous jure, monsieur, j'ai rien dit! Je t'évite pas, j'aurais. Tu vois tes conneries? Il faut qu'on s'en débarrasse. Non, déconne pas, je suis sûr qu'il a fermé sa gueule. Et moi, je suis sûr que si on le laisse filer, il va l'ouvrir. Ah, con! C'est toi qui les as plantés, tu te souviens? Oui, elles sont vraiment belles maintenant. Ça te manque pas trop tout ça? Quelquefois, oui, un peu. Le vent surtout. Elle est à toi. Tiens. Je viens jamais dans cette baraque. Puis ça me fait plaisir de te faire un cadeau. Non. Je te remercie, mais je ne peux pas. Excuse-moi, mais il faut que j'y aille. Il est déjà 8h. Où est-ce que j'ai mis mon sac? Elle a la chance de m'avoir ouvert tous les jours. Je l'ai vu tout à l'heure. C'est de plus en plus bizarre. Toi, tu le vois pas. Toi, tu vois rien. T'es complètement à côté de tes pompes. Tu es capable de garder un homme dans ta vie, alors tu t'accroches à ce gosse quand même. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est mal, ça. Je viendrai plus, hein, je peux pas. Tu le regretteras. Thomas m'attend. Non, il dit déjà ta mère. Elle était contente de savoir qu'on se voyait. Il faut que j'aille. Le samedi, il y a du monde dans la boîte. En plus, ce soir, il y a un orchestre. Oh, s'il y a un orchestre. Assieds-toi. On ne se voit jamais.
suis laissé dire que ça marchait pas mal, ta boîte. Au fond, t'as toujours eu une âme de midinette. T'as changé de coiffure? Qu'est-ce que tu vas faire? La mort. Casse-moi. Qu'est-ce que tu vas faire pour Thomas? Ça, c'est le tribunal qui décidera. Je dis pas que c'est toi qui m'as largué. Une mère de famille qui fait sa valise un beau matin, ça la fout mal, tu crois pas? C'est pas de ma faute si tous les temps sont en couture. Mais si tu me prends ton mal, écoute, c'est comme si tu me tuais, c'est même pire. Attends. Ça peut s'arranger. Ça dépend de toi. Oh, tu t'écoutes. Ça m'est égal de t'écouter. Non, c'est fini. T'as plus rien à craindre maintenant. Tu as mal. Il est où l'autre? C'est là-bas, il dort. Je veux rester avec toi. Si tu me laisses partir, il va me rattraper. Je te dis que tu ne risques plus rien. Maintenant, tu vas rentrer chez toi, d'accord? Chez moi? Essaie un peu de marcher. Tu comprends rien. C'est comme un mauvais rêve tout ça. Tu as rêvé, tu comprends? Et t'en parles à personne. À personne. Un gin tonic, une vodka, une chartreuse, un cognac. Il doit être bien seul. Excusez-moi, c'est possible de téléphoner? Au comptoir, vous entendrez rien, mais il y a une cabine là-bas.
Ah oui. Faut les pièces, j'ai pas de monnaie. Tenez, on réglerait tout en même temps. Allô? C'est moi. Où est-ce que vous êtes? Je crois que c'est au villa, un truc comme ça. Mais qu'est-ce que vous foutez? Ça y est, j'ai tout, j'ai la voiture, je vous attends. Passe-moi Luc. Allô? J'en peux plus de tes conneries! Fais pas de chier, moi, fallait pas me forcer, Luc! Fallait pas me forcer! Arrête! Vladik, continue, t'arrêtes pas! Qu'est-ce que t'attends? T'as peur, hein? T'as peur d'aller, ça, c'est ça? Eh ben, t'as qu'à lui dire que je voulais me barrer! Je veux pas que ça recommence! Je vais te crever. C'est que tu cherches. Non mais ça va pas, tu sais quelle heure il est? Non, ça va pas. J'ai mal à la gorge. Enfin, j'ai mal au cou. Je sais pas. Bon, attends, moi j'appelle un médecin, j'arrive. Non, non, viens pas. J'ai pas besoin de médecin. Puis il s'est passé. Non mais qu'est-ce que c'est que t'es comme il était malade ou t'es pas malade? Non, non, j'ai eu très mal. Non mais c'est tout. Puis je sens plus rien. Ça va. T'as de la fièvre? Non, non, je te dis, non, ça va. T'es sûr? Mais je te dis que oui. Bon allez, excuse-moi. N'appelle pas maman, je veux pas l'inquiéter pour rien. Allez, salut. J'ai plus mal, merde, je me suis trompée, c'est tout. Tu vas pas me faire une pendule? Ouais, bon, je suis polie, mais j'ai sommeil. Ciao. Vous êtes sûr que c'est pas une crise cardiaque ou un truc comme ça? Non, non, c'est juste une cuite. Il faut venir quelqu'un? Je l'ai fouillé, il n'a pas de papier. Il n'y a plus que ça, alors qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais rien, moi. Oh, puis va m'arrêter cette musique. Mon Dieu. Roger, vite! Qu'est-ce qu'il a? Ça va mieux maintenant? Oui, je vous remercie, ça va tout à fait bien. Je m'excuse de vous avoir retenu si tard. Non, ça va. Vous êtes en voiture? Non,
Vous habitez dans le coin, alors? Non, non, je suis de passage, je vais me chercher un hôtel. Oh, vous aurez du mal à cette heure-ci. Je me débrouillerai. Non, je vais vous raccompagner, c'est plus prudent, hein. De toute façon, c'est sur ma route. C'est le seul hôtel. Moi, ils m'ouvriront. On va débarquer comme ça, ils risquent d'avoir peur. Peur de quoi? Je sais pas, mais... Ça avait un peu l'air d'un fantôme. C'est là. Ça me fait plaisir de te voir. Il faut que tu me dépannes. J'ai besoin d'une chambre. C'est pour un ami. Un ami? Et il est où? Il est là. Dis, il sort d'où, celui-là? Je sais pas. Vous savez, ici, on paie d'avance. Ce sera 62 francs. On a piqué mon argent tout à l'heure. Je vous assure, j'avais 100 francs. C'est vrai. Enfin, vous n'êtes pas obligé de me croire. Écoute, Lily, t'es assez grande. Hein. Tu fais ce qui te plaît, mais moi, je veux pas d'embrouille. Je te paierai demain, Susan. Vous n'avez pas une cigarette? Non, je fume pas. Mais c'est arrangé pour l'hôtel. Vous pourrez vous reposer. Vous en avez vraiment besoin. Pourquoi vous faites tout ça pour moi? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais. Non, mais je rêve, Thomas. Il est 6 heures et t'es déjà debout. Mais non, mais tu t'es pas couché. Calme-toi, Lily. Ah, m'appelle pas Lily. Tu veux pas plutôt du café? Plus je te fais confiance et plus tu abuses. Franchement, tu charries. Pourquoi tu me fais la gueule? Je suis pas la gueule. T'es sûre que t'as dormi? T'inquiète pas, j'ai très bien dormi. On est toujours debout à cette heure-là, Saint-Théodore. Enfin, t'as vu la mine que t'as, on dirait E.T. Tu vas être frais pour ta communion. Oh non, Lily, pas toi, tu vas pas me gonfler avec la communion. Tu sais, Lily, j'ai rêvé que j'étais mort. Mais arrête avec ça, qu'est-ce que t'as en ce moment? Tu veux pas que je te la raconte? Non, tu dormis, les gens qui veulent vous raconter leurs rêves. Bon, ouais, vas-y si tu veux. Figure-toi que je devais rapporter de l'argent à un type. Un type que j'avais vu avant. Sois gentil, hein, Thomas. Va à l'essentiel, hein. Puis il y en avait un autre qui voulait me tuer. Il me serrait le cou. Je t'assure, je mourrais, j'étais vraiment mort. Puis je me suis réveillée, mais c'était encore dans le rêve. Et là, je comprenais que l'autre, enfin, le premier, m'avait sauvé la vie. Si t'as sauvé la vie, tant mieux. Ça se termine bien, ton histoire. J'oublierai jamais ce type. Il était sale, il avait une barbe, il était habillé comme en plein hiver. Puis il était blanc. On aurait dit un fantôme. Qu'est-ce que tu as? Rien. C'est quoi encore cette histoire de rêve? Je t'ai raconté. Raconte-moi encore. Dis-moi. Puis après, il m'a laissé partir. Mais je suis sûre. Je suis sûre que l'autre l'a tué.
Il faut plus penser à tout ça. Hein, je suis là, tu risques rien. Pourquoi tu trembles? Je t'avais bien dit que c'était un rêve. C'est Lily, sans toi, je pourrais pas vivre. Ah ça, non, alors. Faut que tu te fasses le cœur plus dur que ça. Sinon, qu'est-ce que tu deviendras, hein? Tu dois devenir raisonnable. Raisonnable et heureux. D'accord. Maintenant, faut que tu dors. Ça se passait où, ton rêve? Près du cimetière de Saint-Loup. Ah, tu es là. Eh bien, tu peux l'enlever, ton costume. Parce que la communion finit, hein. Tu la fais plus. Faites pas tout ce bruit, y a ma mère qui dort. Descends de là, Thomas. Dis donc, la confession, c'était hier soir. On t'a attendu à la chapelle. Tous tes camarades étaient là. Tu crois peut-être que la retraite sert à faire les 400 coups? Hein, Thomas? J'ai pas pu venir. Eh bien, c'est très regrettable. Parce que si tu crois que je t'ai laissé communier à l'état de péché mortel, tu ne connais pas. Vous pouvez pas me faire ça, il y aura toute ma famille. Eh bien, tu diras à ta famille que je suis désolé. Et n'oublie surtout pas de le dire à ta vraie mère. Écoutez, j'ai une excuse pour hier soir. Voilà. On a essayé de me tuer. Si vous voulez, je vous raconte tout. Seulement, il faut que je sois sûre que vous dites rien. Vous avez qu'à me confesser. Thomas! Thomas! Bonjour, mon père. Excusez ma tenue. Madame, bonjour. Toi, je t'interdis de sortir de la maison. Hein. Tu restes avec moi, tu vas plus te balader. C'est fini tout ça. Allez, tu rentres. Savez-vous que Thomas n'est pas venu se confesser hier soir? Hier soir? Oui, mais c'est de ma faute. Il est resté avec moi, j'étais malade. Il faut que je le confesse maintenant, alors. Oui. Ça, j'ai tellement changé. Luc est pas là. T'es tout seul? C'est tout ce que ça te fait de me voir? Ça va pas très fort. Et puis je t'attendais pas. Tu m'as dit au Villard. Tu t'es pas sorcier, il y a qu'un hôtel. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai même ça, on sait jamais. On a parlé de vous ce matin dans le journal. Écoute ça. Deux détenus de la centrale de Muret se sont évadés. Vendredi, en fin de journée, en profitant de la confusion causée par la grève de la faim. Nous attendons, Luc. C'est fini, Alice. Oui, c'est fini. Vous avez réussi à sortir et moi, je me suis occupée du reste. C'est lui qui m'a forcé à sortir, moi, je voulais pas. Tu fais vraiment chier. T'as toujours été comme ça. Quand c'est gagné, t'as besoin de foutre la merde. Écoute, on fera comme on avait dit. On ira jusqu'au bout, tous les trois. Tu vas jusqu'au bout, toute seule, si tu veux. Je t'ai téléphoné hier, Alice, pour te le dire, mais j'ai pas pu. Pour me dire quoi? Y'a rien à dire? J'ai tout prévu, tu sais. Tout. Je connais la route par cœur. Le pont du Roi, la frontière, l'Espagne, Algésiras, Tanger. Personne ne nous retrouvera. Personne. T'entends? Oh, il y a des communions. Luc est mort, je l'ai tué. Thank you.
encore? Non, il est déjà parti. Il a rien dit? Il a pas laissé un message? Non, rien du tout. Bon, je vais régler. C'est déjà fait. Comment, mais il avait rien sur lui hier soir. Écoute, Lily, je sais pas ce que tu fabriques avec ce type, ça me regarde pas, mais si j'étais toi, je laisserais tomber. Tu sais, il y a une fille qui est venue le chercher dans une voiture de sport ce matin, une voiture rouge. Tu vois qui c'est? Voiture rouge, non. Mais lui, tu le connais au moins? Non. Quand il est descendu ce matin, tout rasé, tout propre, tu sais pas qui m'a fait penser? À mon frère, quand il est sorti de prison, il était blanc comme un linge. Et elle, elle était comment? Sinistre. Je me demande ce qui traficote dans la région, tous les deux. 2, 4. Tu aurais pu venir à l'église. Franchement, ça la fout mal. Mais j'étais pas bien. J'ai mal dormi. Mon Dieu. Pourvu que ça ne soit pas raté. Bah, tu vois bien qu'il a réussi. Tu crois? Oui, comme toujours. Merci, bien. Merci. Oh, oh là là. Bravo. Admiré, hein? Voilà, merci. Vous êtes donné beaucoup de mal. Hein? Oh, j'ai préféré faire ça moi-même, comme ça. Je suis sûre que c'est bien fait. Tu vas pas manger du pain maintenant. Comment on fait ça? Voilà. 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 D'accord. À toi l'honneur. Ah, merci. Voilà. Tu n'as pas oublié de faire un vœu, j'espère. Non, mais j'attends qu'il se réalise. C'est un secret? Ah. Non, mais j'ai pas envie de le dire. Force-toi un peu. Faire plaisir à ta grand-mère. Allez, dis-nous ce que c'est. T'as pas l'obligé à parler, quand même. Puisqu'ils veulent le savoir, je vais le dire. Hein? Silence. Dans la vie de chacun, on doit savoir distinguer les vrais tournants. C'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, pour Thomas, c'est un vrai tournant, parce que c'est la fin de l'enfance. Je sens que la mienne peut laisser le sujet. Maintenant, tu vas devenir un homme, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'un homme? Un homme, c'est ce qui naît du ventre d'un enfant comme un enfant est né du ventre d'une mère. Pas mal. Bravo. Aujourd'hui, Thomas a fait un vœu. Alors tu vas te lever, Tommy, et nous dire ce que tu as demandé au Seigneur. J'ai demandé... je sais pas... J'ai dit que je voudrais qu'on jette une bombe dans mon collège, que je voudrais les voir écrabouillés, tous en train de crever, qu'il n'y ait plus de vie nulle part et que ce soit la fin du monde. Voilà ce que j'ai demandé. Tu es content? Viens un peu avec moi. Je vais chercher les cerises. Permettez que je vous aide. Il y a certaines règles dans la vie que tu fais semblant d'ignorer. Laisse-le. L'histoire de vœux, ça ne regarde que lui. Tu veux pas comprendre. Vous faites chier. Vous arrêtez pas de faire chier. Vous êtes aussi con l'un que l'autre. Et ce gosse, il est aussi con que vous. Je dirai à ta mère que je suis à la pêche. Pour la photo. Je t'en prie, papa, si tu le fais pas pour nous, fais-le pour maman. Elle s'est donné beaucoup de mal, elle y est pour rien. Mais dis quelque chose. Mais écoute, parle pour une fois. On sait jamais ce que tu penses, tu te défiles tout le temps. Et tu veux savoir ce que je pense? T'as déjà vu ce truc-là? Voilà ce que je fais quand une mouche m'emmerde. Je peux pas faire la même chose avec vous. Alors je ferme ma gueule. C'est pour ça qu'on dit que je suis tolérant.
Mais dans le fond, c'est pas vrai. Il est allé faire une sieste. Tenez, goûter les Maurice. Oh, merci. Ce sont les premières. Pépé m'a aidé à les cueillir ce matin. Allez, allez, tout le monde assis. C'est pas fini, hein? C'est pas fini. De faire un vœu. C'est si rare qu'on soit tous ensemble. Ça faisait combien de temps? Ouf, peu importe. Ce que je voudrais, moi, c'est qu'on soit unis et heureux. Que Thomas apprenne à aimer la vie. Que Lily et Maurice ne soient plus séparés. Qu'on finisse par tous se retrouver. Et que cette occasion ne soit plus la dernière. C'est moins juteuse que les autres années, tu trouves pas? On va faire la photo maintenant. Il y a une belle lumière. Non, pas tout de suite. Attends un peu, juste un petit moment. On est bien, là? N'est-ce pas qu'on est bien? Maintenant, je vais leur couvrir, on va pas traîner là. Attends. J'en sais rien, j'étais trop loin. Faut la retrouver. Non, je te dis, faut filer.
trois jours, t'aurais pu me garder à la maison. Oh, je t'en prie, Thomas. Mais il n'y a plus de cours, on a fini le programme. Écoute, pour trois jours, t'as pas fait un drame. Allez, viens. Alors, c'est tous ces gens que tu voulais tuer? Attends, ils sont comme nous. Ils sont pas comme nous. Il n'y a pas une raison pour une attaque, attention. C'est ton rêve qui t'a donné ce genre d'idée. Arrête de dire que c'était un rêve. Tu sais très bien que c'était vrai. Je sais, Lily. Je sais vraiment pas ce que je dois faire. Si je dois dire la vérité. Quelle vérité? Le type de cette nuit. Peut-être qu'il est dangereux. Tu ne dis rien. Pas dit. Silence. On parle, Alice. On parle sérieusement. J'ai pas envie de parler. Gironde, appelez le numéro vert 05 330. C'est à qui? Alice, on n'a plus rien à faire tous les deux. Ce qu'on devait faire, on le fera. Comme si Luc était là. Je ne te laisserai pas tirer un trait sur le passé, Martin. C'est trop facile. On va finir par se détester, c'est ça que tu cherches? Je déteste déjà, on se détestera encore plus. Ce sera l'enfer. Tant mieux. C'est tout ce que je demande. Je me suis pissé. Martin. Je reviens. Tu veux m'accompagner peut-être? Viens. À 20h30, à la Halle au Grain de Toulouse, avec Sud Radio. Bon, je les prends. Je m'en vais, Alice. Tiens. Adieu. Ah oui, c'est vrai, là ça marche bien. Mais moi c'est là-bas que je fais mes additions et quoi. J'ai pas l'intention d'avoir la tête comme une citrouille. Hein. Hier soir, elle disait qu'il n'allait pas derrière. Bonjour. Je vous dérange pas? J'ai entendu de la musique alors je suis entré. Vous m'offrez un verre?
fêté ma liberté. Parce que maintenant, je suis libre, complètement libre. Et vous êtes libre. Pour faire quoi? Je sais pas, je... Pour couper les fils, pour tout risquer, comme ça, comme manger d'allô. Vous comprenez? C'est complètement idiot. Si vous avez peur, dites-le-moi tout de suite et je m'en vais. Écoute, Roger, on finira ça demain. Bon, je vous laisse alors. À demain. C'était qui? Celui qui est mort. Celui que j'ai tué, c'était comme mon frère. Mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Si, je vous croirais. Elle? Elle était toujours avec nous? Toujours de son côté à lui. Ça n'aurait-tu jamais s'arrêter, ça? Et moi, je finissais par croire qu'il avait toujours raison. Ça marche pas à boîte ce soir? C'est dimanche, c'est fermé. Vous voulez vraiment pas trinquer un verre avec moi? Si, mais à l'intérieur, la nuit tombe. Veuillez quitter l'étude en silence, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai été très choqué par le vœu que tu as lancé à table devant ta famille. Et puis j'ai essayé de comprendre, et j'ai réfléchi. Ça m'a fait penser à la Bible, au 6e chapitre de la Genèse. Lorsque Dieu affirme: je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés, car je me repens de les avoir faits. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas respecté sa décision? C'était pourtant la sagesse et l'évidence de tout détruire. Et puis, dans un geste incompréhensible, il se contredit. Il recommence avec Noé l'aventure humaine. Il le fait contre la raison, comme une vraie folie. C'est ça l'espoir, tu comprends? Je m'en fous. Je peux partir. Attends, Thomas, il faut que je te demande pardon. Ce matin, avant la communion, quand je t'ai confessé, tu m'as parlé de deux malfaiteurs. Tu me les as décrits et je ne t'ai pas cru. J'ai eu tort. C'est pour ça que je te demande pardon. Oui, pardon, pardon. C'est tout ce que ça veut dire, pardon. Il y en a marre, moi, je pardonne plus. Puis d'abord, ce que je vous ai raconté ce matin, c'était encore un mensonge. Et ça, ça, Thomas, c'est un mensonge, ça? Je l'ai jamais vu, moi, ce mec. On en reparlera demain matin, mais il faut prévenir la police, mon petit. Sorte de gens, ceux qui sont libres et ceux qui sont en prison.
maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas. Vous allez vous dénoncer à la police? Je sais pas, j'ai pas encore pensé à tout ça. Je voulais juste vous revoir. Mais c'est pas important de me revoir. Ce qu'il faut, c'est leur expliquer. Il faut leur raconter comment ça s'est passé. Mais ça sert à rien d'expliquer. Mais alors, je sais pas, il faut vous battre, il faut lutter, il faut pas rester là, rien faire. Je m'en fous de lutter, ce que je veux, c'est rester avec nous. Ah, mais vous êtes complètement cinglé. Attendez-moi, je réveille. Souviens, hein, Maurice, je te disais que j'arriverais jamais à l'aimer. Et toi, tu me disais, mais si, ça viendra, ça viendra. Mais tu vois bien que c'est jamais venu. Tu me disais que j'étais fragile, que j'avais besoin de sécurité, que c'était un homme solide. Et quand je voulais aller à Paris, mais j'étais prête, j'aurais dû y aller. Mais je l'ai pas fait parce que j'ai jamais rien fait. Mais là, personne m'empêchera, hein, ni toi, ni personne. Assieds-toi, assieds-toi, je t'en prie, assieds-toi. Mais je peux pas, il faut que j'y arrive, m'attends. Non, mais pas tout de suite, tu n'as pas besoin. Tu peux attendre quelques jours quand même, tu le connais pas. Enfin, pourquoi si vite? Regarde l'orange. Cette tête de merde, on voit rien. Tu peux pas t'en aller, j'ai fermé. C'est pas vrai, Lily, hein? Dis-moi, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. C'est vrai. Je suis venue pour une seule raison, c'est pour Thomas. Tu iras l'attendre à la sortie du collège samedi. Et tu lui diras... Tu lui diras que je reviendrai, dès que je pourrai. Dès que je pourrai très vite pour l'emmener avec moi. Tu lui diras, hein? Non! Tu ne sortiras pas. Il faut que tu me laisses. Il faut que tu me laisses être heureuse. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. L'homme qui était avec moi tout à l'heure. Je l'ai pas vu. Je suis sûre qu'il est revenu. En tout cas, pas chez moi. T'as pas une idée? Si j'en avais une, je vous la dirais pas. Je n'ai pas non plus, hein? Écoutez, je vous ai posé une question, dépêchez-vous. Merde! Ça vous va comme réponse? Allez, foutez-moi le camp! Je suis pressée, je te dis. Vite!
Il va te tuer. C'est où chez toi? Je sais pas, de chez moi. Je peux rester avec toi? Non, tu peux pas. Pourquoi? Tu vas loin? Ouais, je vais très loin. Arrête tes essuie-glaces, il peut plus. T'as quel âge? 13 ans. Moi, à ton âge, j'étais déjà amoureuse. De deux garçons. Ils étaient comme deux frères et moi j'étais comme leur sœur. On se quittait jamais. Et après vous vous êtes quittés? Descends. Attends un peu. Je peux pas attendre. Faut que j'aille les retrouver. Et si... s'ils avaient pas existé, tu serais partie avec moi? Bien sûr. C'est vrai? Allez, filme. Votre fils est en sécurité chez son père. Il m'a resté pas debout. J'ai prévenu votre famille aussi. Ma famille? Ben oui. Vos parents, votre mari. Ben, asseyez-vous. Il faudrait que vous fassiez un effort. Que vous nous donniez le maximum de détails. C'est indispensable pour nous, vous savez. Les détails? Oui, les détails du meurtre. Enfin, comment ça s'est passé? Je sais pas, ça s'est passé très vite, j'ai rien vu. Essayez de vous souvenir.
manger. J'ai dit ce que j'avais vu, c'est tout. Vous avez l'air très occupé. J'ai attendu toute la nuit. Ils t'ont rien demandé? Non. Après, ils ont fait des photos. Des photos? Oui, des photos de la maison. Faut toucher à rien. Oh, attends, je vais te chercher du sucre. Voyons. Où tu vas? Au commissariat. Je dois retourner avant midi. Mais il est à peine 9h. Tu peux pas y aller comme ça, il faut te reposer. Ça n'a pas changé. Qu'est-ce qui n'a pas changé? La chambre. Et puis toi, tout. Il faut pas m'en vouloir, mais je crois que je vais pas pouvoir rester là. Où veux-tu aller? Ta maison est gardée par... Oui, par la police, tu peux le dire. Oh, j'ai besoin de prendre l'air. Tu as vu comme il fait beau? Tu vas quand même pas sortir. Pourquoi? À cause des voisins? Je me fous des voisins. Oh, je vois que tu es malade. Je veux te soigner. Je veux que tu te soignes. Regarde-moi. Je suis pas malade. Avant, j'étais malade parce que j'essayais de vivre comme vous et que j'y arrivais pas. C'est vrai, j'ai toujours eu peur de faire du mal. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu es complètement inconsciente. Tu nous fous tous dans la merde, tous, et tu n'essayes même pas d'arranger les choses. On dirait que tout ça, tu le fais contre nous. Je sais pas si je le fais contre vous, mais je sais que je le fais pour moi. Pour moi et pour lui. Pour lui? Il a fait de la prison. Il est recherché. C'est justement pour ça que je suis allée vers lui, parce qu'il était perdu. Tu ne dois pas me faire croire que tu voulais sauver un type pareil. Non. Ah non, ça je le croirais pas. Tu voulais te perdre, tu as réussi. Sauver, se perdre, c'est la même chose. Va-t'en. Thomas. Après ce qui s'est passé, ça me paraît pas très raisonnable. Juste un moment. Non, je crois qu'il vaut mieux laisser passer du temps.
tu l'as dit? Je lui ai dit que tu... tu allais faire un petit voyage. C'est la meilleure solution, non? Laisse-moi voir. Il est assez perturbé comme ça. Je lui parlerai pas, je veux juste le voir. 5 minutes. Mais pas 5 minutes, 1 minute si tu veux. Projection, d'accord? C'est pas très prudent de te lever. J'ai plus de fièvre. J'avais quel âge? 1 an. Tu vas partir seule en voyage, maman? Pourquoi tu demandes ça? Parce que hier soir, il y avait des valises et elle était avec quelqu'un. C'était au lit. C'est ça, l'amour? Tu n'en parles jamais avec tes copains? Les copains, j'en ai pas. Mais j'en ai entendu dire, oui. Mais elle, je croyais que c'était pas pareil. C'est chiant, ces films de famille. Tu devrais pas passer ton temps à regarder des trucs pareils. Dis-moi, elle est peut-être pas encore partie, tu veux pas la voir, maman? Non. Ce serait trop pénible. Puis ça servira à rien. Je regarde ta collection de bateaux. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Je sais pas, moi. Bah, j'aimerais plus aller à l'école. Enfin, en tout cas, plus chez les curés. J'aimerais avoir des copains. Puis, j'aimerais faire des rencontres. Pour ça, il va falloir que tu attendes un peu. Oui, je sais. Attendre, toujours attendre. Non, je veux dire, qu'est-ce qui ferait plaisir maintenant, là? Bah, aller faire un tour de vélo s'il fait beau. On m'a convoqué. Avant midi. Voilà. On n'est qu'à signer ici, là. Ah oui, je vous donne le texte. Vendredi, en fin de journée, alors que le directeur de la centrale venait de réaffirmer son refus de prendre en considération... Une seconde. Non, non, il m'a pas menacé. Je peux pas signer. Et pourtant, ce qu'il a dit à l'hôpital, avant de... Il est mort? Ils sont en train de l'opérer. Il y a moins d'un miracle. En tous les cas, il a menti. Je savais qu'on le recherchait. Je voulais partir avec lui. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je dis la vérité. Madame Elisabeth Ravenel, faites très attention. Parce que complicité, recette de malfaiteur, ça peut vous mener très loin, cette petite plaisanterie. Vous avez été très éprouvée. Je vous conseille de vous reposer, puis de réfléchir. C'est tout réfléchi.
Je sais qui est Martin. Je sais ce qu'il a fait, je sais tout.